Bonsoir et bienvenue sur Lost TV. Ce soir, dans l'une des salles du cinéma Pathé à Liévin, va être diffusé non pas le premier film d'un jeune réalisateur Mathieu Calcain, mais la dernière en date, Garde à vue. C'est la consécration alors ce soir. Oui, c'est vraiment un grand plaisir, c'est un grand moment pour nous, pour toute l'équipe évidemment. On a la chance voilà, d'avoir un complexe comme le Pathé Liévin en partenariat et c'est vrai que là c'est une grande joie pour toute l'équipe. J'ai pu assister tout à l'heure au test projection et c'est vrai que voir l'image sur un écran comme c'est proposé ici, c'est vraiment impressionnant. Donc je pense que ce soir c'est que du bonheur. Quoi. Qu'est-ce qui vous motive justement, parce que c'est quand même assez difficile pour un jeune réalisateur d'être diffusé quelque part, et surtout dans un cinéma comme le Pathé. Oui, alors dans les cinémas Pathé, on a la passion du cinéma, et quand je vois, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on a des partenariats avec Calca Productions, quand je vois avec quelle passion et avec quel sérieux ils réalisent des films, ils défendent ça, je n'avais qu'une envie, c'était de les encourager. Et la meilleure façon que j'avais de les encourager, c'était de leur proposer de passer leur production sur grand écran. L'histoire se déroule dans un commissariat. C'est la confrontation entre deux personnalités assez fortes, un inspecteur et un notable présumé coupable de viol et de meurtre sur deux fillettes. Voilà, regardez-vous, quoi, c'est un huis clos, très huis clos policier. On a fait une semaine de tournage intensif sur le Centre Noël et la mairie a pu nous prêter ses locaux et ça c'est vraiment une chance. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Vous me prenez vraiment pour un con. Au contraire, je vous prends pour quelqu'un de très intelligent, Martine. Un embrouilleur de première. Je vous interroge sur deux petites filles, violées, étranglées, et la conversation dévie sur votre femme, sur un couloir, sur une porte. Et maintenant que vous m'avez amené à cette porte, Martineau, il va falloir l'ouvrir. Je veux savoir ce qu'il y a derrière, moi. Oh, vous savez très bien. Vous préférez pas le dire avec des mots à vous? Oh, les mots. Je les ai tournés et retournés dans ma tête des nuits entières. Alors, allez-y, vous gênez pas. D'accord. Alors je vais vous dire ce qu'il y a derrière cette porte. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions sur le film? Oh, si vous voulez, oui. Disons que ça m'a rappelé ben, l'original, hein, de toute façon, hein, mais d'une façon, je peux dire, sincère, hein, naturelle, qui est bien, quoi. Non, c'est très sympathique. C'est vrai, l'histoire et tout, elle est vraiment bien. C'est vraiment intéressant de voir. Puis c'est 40 minutes le film, il dure environ. Donc c'est vraiment un bon film pour 40 minutes, quoi. Très bien, on est tout de suite captivés. On est dans l'histoire et très bien. Vraiment, j'ai pas vu passer le film et on est dedans. C'est très bien. Bah oui, bah là ça me fait chaud au cœur. Hein. Je suis tout ému parce que bon voilà, bah, le pari est réussi. Le film a touché beaucoup de personnes. Ça a très bien fonctionné. Donc voilà, c'est la récompense de tout un travail qui a été fait. Et on pouvait pas avoir plus beau remerciement que ça. Voilà, un public conquis, c'est l'un des plus beaux remerciements pour un réalisateur. Donc voilà, je l'ai obtenu. Ainsi s'achève cette soirée remplie d'émotions et de joie d'avoir rempli et réussi un sacré challenge. Lost TV, moi-même, nous leur souhaitons une bonne continuation à l'équipe de MKP Studio Film. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye et au prochain reportage. Au revoir.